Salut à tous, c'est Nivek. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Temporiset Ossatopia. Vidéo qui va un petit peu changer d'habitude. Je vous ai proposé que du contenu endgame sur Temporis dans les vidéos récemment. Où je vous ai présenté la ligue Pokémon, le maître de la ligue, comment débloquer Miaou, comment débloquer le Missing No. Aujourd'hui, ça va être une vidéo astuce. Donc, ça va être centralisé sur les Ossatons, sur les Kamas et un tout petit peu sur l'XP. Vous allez voir que la strat pour farm les Ossatons, XP quand même pas mal. Quelques prérequis à avoir. Il va vous falloir 150 Ossatons de base afin d'acheter le matériel d'exploration, accélérateur de propulsion. Ensuite, on va se mettre une petite croquette ultime. Donc ça se débloque avec les tempotons ou après vous pouvez en prendre HDV, il y en a pas mal qui les vendent. C'est à partir de 1660 tempotons et sinon vous avez un deuxième sachet qui se débloque à 2410 tempotons. Donc le sachet de croquette ultime, ça va vous permettre d'avoir 100% de drop sur tous les altérés que vous battez. Donc vous, chaque fois que vous finissez un combat avec un altéré dedans, vous gagnez l'altéré. Et le but du coup, ça va être de farm les altérés et les vendre au PNJ contre des Ossatons. Là, le bonus du jour, en plus de ça, j'ai 10% de chance d'obtenir une petite bourse de Kama à chaque combat. Donc en plus de ça, on va farmer gentiment les Kama. Et on s'est mis un petit bonus XP aussi pour prendre de l'XP aussi. On va pas négliger ça. Pour la strat, du coup, comme vous en doutez, on va aller à Sufokia gentiment. Alors on va se mettre la petite mobilette. Hop, quelle la voie du temple. On va aller bête Sufokia. Alors l'intérêt en fait d'aller dans les abysses de Sufokia, en utilisant déjà un matériel d'exploration, c'est qu'il va y avoir absolument personne dans la zone. Car personne ne fait ça sur le serveur. Sur mon serveur en tout cas, sur Yaka. Mais je pense que pour les autres c'est pareil, il y a d'autres zones qui sont pas mal à farmer niveau 200. Mais le deuxième avantage aussi de celle-là, c'est que les maps sont en auto-repop. C'est-à-dire que vous terminez un combat, le groupe de deux monstres va instant repop sur la map et vous pouvez farmer ça hyper facilement. Vous allez voir que ça va super vite. Là, je vais vous montrer pendant une dizaine de minutes ce qu'on peut générer. Et je vous laisse imaginer, le bonbon dure 4 heures, mais bon, farmer 4 heures, c'est un peu chronophage. Et je vous laisse imaginer un peu ce que vous pouvez générer en 4 heures. Bon, on est parti, petit combat. Alors, Altered Trid. Arthrite, c'est pas le mieux. Ok, cyclopoint. Vous allez voir que là, je me suis mis en stuff full dégâts. Donc, je vais pas XP non plus énormément. Je crois que j'ai à peine 300 de... j'ai à peine 300 de sagesse, là. Mais vous pouvez tout à fait vous mettre un stuff bien bourrin et vous mettre les 995 points en sagesse pour XP. Là, ce qui est pas mal avec ce mode, c'est que je one-shot quasiment tous les monstres. À part le Trid qui a pas mal de res et le tourton. Hop, ça passe presque. Hein. Quand je fais des roulés de puissance, ça passe. Hop. Bon, le Trid a passé son tour. J'aimerais bien faire focus, mais je sais pas où il est le... Je sais pas où il est le camarade. Hop. Bon, on va farmer vite. On va faire sans focus. Là, l'important, c'est pas une astuce XP, c'est une astuce Kama. Donc, on va faire ça vite. Hop, 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 hop. Hop. Voyez, donc du coup, on se chope. Bon, on a gagné la bourse de Kama, donc 5000 Kama. Bon, ça, c'est l'almanax du jour qui veut ça. Ça fait un peu de Kama. Et là, vous avez le cyclopoint. Le combat, là, il a duré une minute, alors que j'ai perdu un peu de temps à chercher le Trid. On va s'en faire un vite fait. Hop. Poulpé en dernier. On double un veau. Hop, alors là je me mets en vraiment créa, no anime, pas de chat de combat pour aller le plus vite possible. Hop, hop. Ça va aller vite, les à part le Trid, il n'y a pas de mob vraiment pénible en plus dans la zone, c'est ça qui est bien. Ça se fait relativement vite, la poulpe elle a des faiblesses feu en plus, la clean vite. Hop, ça va, on a fait le chal en plus de ça, donc 2,7 millions, 30 secondes. Vous droppez quelques items en plus que vous pouvez concasser pour créer des pépites dans les prismes ou alors des items PA aussi. On s'est rechopé une petite bourse. Là vous voyez, bon ce qu'on va faire, il est 9h25. Je vais faire un petit quart d'heure de farm et je vous retrouve juste après pour faire un petit bilan. Bon il est 9h45, ça va faire 20 minutes que je fais du farm. On va vite finir le combat là, et on va aller voir un peu tout ce qu'on a droppé. J'ai rencontré quelques altérés pas mal en plus de ça. Voilà, là on a fini. Donc ça fait 20 minutes de farm pile. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Déjà on a droppé plein d'items 200 qu'on peut concasser.
J'ai 3 amulettes, j'ai 2 paires de bottes, donc ça fait quelques runes. Ensuite, au niveau des altérés. Au niveau des altérés, on en a 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 22, 23, 26, 28. Donc en 20 minutes, on a fait 28 combats, on a droppé 28 altérés, valeur estimée 1,3 million. Je suis pas sûr que ça vaille autant en HDV. Les Valdingum, on va les mettre en HDV, ils partent toujours. Ça part à 200 000 unités, donc déjà c'est en 20 minutes, c'est déjà 400 000 Kama et plus de fait. Sans compter les Osatons que vous allez générer. Avec le bonus du jour, on a chopé aussi 10 bourses de Kama, donc ça fait 50 000 Kama. C'est déjà pas mal. Au niveau de l'XP, j'ai pris un ou deux levels, je crois. Donc c'est pas trop mal, là je suis Oméga 17, je crois que j'étais Oméga 15 en commençant. On va aller voir vite fait en HDV combien tout ça, ça vaut. Paf, paf, paf. On va mettre la racaille. Alors consommable au niveau des altérés. Ce que vous faites, une fois que vous avez chopé tous vos altérés, vous allez en HDV voir un peu les prix préconisés. Là vous voyez que c'est 14 000, ça vaut pas le coup. Ceux qui valent pas cher, on va les échanger contre des Osatons, ça sera plus rentable. Hop, 14, 32... Valdingum 175, il a baissé un peu. Vashkiri 60, 27, 19, 18. Ouais, ça a bien baissé. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un seul Valdingum en vente. Hop. Et l'autre, on va aller le changer. Hop. Pour échanger les altérés, ce que vous faites, potion de trou de verre, sans trop désaltérer. On va voir le Nymphermière Joël. Et là, vous avez juste à lui échanger. Alors, on va voir que. Le Valdingum du coup que j'ai mis à 170 000 en HDV, il est contre 97 000 Osatons. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remettre en HDV lui. Et tous les autres, on va les vendre. Hop. Donc là, vous voyez qu'en 20 minutes, on fait 1 million de Kama. En valeur estimée d'altéré. Et en plus de ça, avec les deux autres Valdingum que je vais vendre, ça va faire environ pas loin de 380 000. Donc on peut arrondir à 1,4 million à peu près. Donc en 20 minutes, vous pouvez générer 1,4 million de Kama tout en farmant l'XP. Donc je trouve la technique vraiment intéressante. Après, bien sûr, le prix des Osatons va baisser au fur et à mesure. Donc plus vous faites vite cette technique, plus vite vous pourrez générer des Kama. Hop. Dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle pourra vous aider à générer quelques Kama sur le serveur Temporis. Si tel est le cas, lâchez un petit like, un commentaire. Surtout, abonnez-vous à la chaîne. Surtout pour ne pas louper les dernières vidéos qui vont sortir, je vais vous sortir des vidéos pour ce qui est du drop d'offus, un stuff optimisé, prospection, quelles sont les techniques qu'on a utilisées nous pour drop nos stuffs, nos dofus, etc. Donc abonnez-vous à la chaîne surtout. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitch, twitch.tv/osenivek. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.